Bonsoir. Je voudrais commencer en disant que c'est un plaisir pour moi d'avoir l'occasion de vous présenter ce soir le projet du headquarter de la société Francy que nous avons développé récemment. Et je voudrais dire que l'ensemble de la présentation est réalisé par moi, mais est véritablement le fruit d'un travail d'équipe. Avec l'ensemble de mes collaborateurs et mes deux associés, Alicia et Cédric, auxquels j'associe la présentation que vous allez voir. Cette présentation va être séparée en trois parties, qui sera d'une part la présentation de l'agence, brièvement, d'autre part la présentation du projet avec de nombreux détails et de nombreux insights sur la manière dont nous l'avons mis en place. Vous voyez la maquette qui se trouve là. Et ensuite, nous continuerons avec une série de thématiques que nous voudrions partager avec vous, qui sont des thématiques qui sont importantes aux yeux du bureau et que j'illustrerai au fur et à mesure par différents projets. Alors, tout d'abord, le bureau est un bureau qui a été créé en 2000, il y a donc pratiquement 10 ans. Iwan, effectivement, avait raison. Il a été créé dans l'idée de créer une plateforme opérationnelle qui réunissait toute une série de compétences créatives et qui avait l'intention de conduire des projets architecturaux, urbanistiques à différentes échelles. Et dans la mesure du possible, les plus innovants. Le bureau aujourd'hui est localisé le long du canal, dans la partie de Molenbeek. Nous sommes sur ce plateau industriel. C'est une partie de la ville qui nous intéresse et qui nous tient à cœur parce qu'elle comporte toute une série d'éléments qui sont importants dans notre profession, un dynamisme vers la reconversion, des potentialités sociales, des potentialités spatiales, et également une série d'enjeux culturels et économiques à relever. Notre bureau a la particularité de réunir quatre plateformes, quatre unités, qui ont chacune des compétences différentes et qui ont la particularité de travailler de manière conjointe ou bien de manière isolée en fonction des différents types de missions. La première de ces unités est une unité que nous appelons Concept and Architectural Design, qui est une unité donc de conception et de construction de projets. C'est une unité qui évidemment contient la capacité technique de pouvoir mener les projets à bout jusque donc dans leur exécution et qui a également la particularité de choisir ses projets surtout par la démarche du maître d'ouvrage, c'est-à-dire son niveau d'ambition, plus que par l'échelle du projet, comme vous voyez celui que j'illustre ici, ce petit penthouse qui se trouve avenue Lepage. Dans le centre-ville. La deuxième unité est une unité qui s'appelle Urban and Territorial Planning. C'est une unité qui a été développée et qui trouve son origine en réalité dans une des préoccupations des associés du bureau qui était dans tous les projets d'essayer de trouver le lien qui existe entre l'architecture et la ville. Cette unité s'est développée. Elle aborde aujourd'hui différents types de projets au niveau urbain, au niveau territorial, des projets d'espace public, des projets d'infrastructure, des projets de reconversion ou de rénovation urbaine, parfois des projets greenfield avec une échelle qui est aussi autour de 50 hectares. La troisième unité est une unité que nous appelons Audit and Project Management, qui est une unité qui a vu le jour au fur et à mesure du développement de l'agence. Elle a trouvé son origine dans une constatation que nous avons faite qui était la demande progressive
de la part des maîtres d'ouvrage de faire évoluer le rôle de l'architecte en lui demandant toute une série de compétences alternatives à celles de la conception et de la construction des bâtiments. Et donc nous avons intégré ce processus de project management au fur et à mesure du développement de l'agence, et aujourd'hui il est assuré de façon indépendante si c'est nécessaire. Nous pensons que également cette unité est très importante parce qu'elle doit permettre d'intégrer l'économie du projet à la fois dans son suivi mais également en amont. Et dans certains cas, nous avons été amenés à aider ou accompagner des clients publics et privés dans la définition de la programmation qu'ils allaient entreprendre en amont du projet proprement dit. Nous pensons que c'est très important de pouvoir avoir cet accompagnement parce que cela permet de pouvoir définir des programmes qui sont qualitatifs en termes spatial. Et également, ça nous donne à nous, architectes, la perspective de pouvoir nous mettre à la place et intégrer la donnée économique dans les projets dès le départ et donc d'améliorer, on va dire, notre capacité de conception. La quatrième unité est une unité qui s'appelle Urban Consulting and Research. C'est une unité qui a vu récemment le jour, dont le but est réellement de sortir l'agence, les associés, les collaborateurs de leur zone de confort par rapport à l'architecture et à l'urbanisme et d'aborder certains thèmes qui sont des thèmes qui sont liés au développement urbain durable, à la mobilité, à l'infrastructure, d'une manière un petit peu alternative et plus particulièrement en essayant de s'intégrer dans des programmes de recherche comme le programme Intelligent Energy qui est illustré ici dans ces slides ou dans des programmes comme les frameworks programme de la communauté européenne. Alors, cette petite présentation étant faite, nous allons rentrer dans le projet qui nous réunit ce soir, que je vais commencer à détailler par l'histoire qui nous a amené à le réaliser et à notre relation avec le maître d'ouvrage et avec la société Fancy. Fancy représente fantaisie, plus largement joie de vivre en français. Excusez-moi, je risque de tousser régulièrement pendant la soirée, mais vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Cette société est une société familiale qui existe depuis 1950. C'est une société qui propose des collections de meubles et d'accessoires qui viennent du monde entier. Et dont la présence est réalisée par des Fancy Corners dans plus de 60 pays à travers le monde. En avril 2008, le fondateur de la société vient nous trouver dans le cadre d'un petit appel d'offres qu'il réalise avec un objectif qui est de construire un bâtiment de 11 000 m² qui sera le siège de la société dans un délai très court d'à peu près 14 mois en comprenant l'ensemble des études. Notre équipe est constituée des consultants Concept Control pour les techniques spéciales, Arcadis ex-BCT pour la stabilité. Et notre équipe en interne chez UP est dirigée par Olivier Mikils et le projet est suivi par moi en tant qu'associé. Nous désignons la société Bagessi qui va réaliser le bâtiment, qui est une filiale de CFE, qui va réaliser le bâtiment en une dizaine de mois avec comme responsable Etienne Delporte. Excusez-moi. Alors le brief est le suivant. La société veut construire son nouveau siège. Il va représenter les valeurs actuelles et les valeurs de demain et elle doit... Cela doit constituer une vitrine. Ça comprend l'ensemble des activités logistiques, mais également les bureaux, également le showroom, également les accueils des clients. Et donc, ce projet doit véritablement être emblématique. Il y a également le souci de la part du maître d'ouvrage d'asseoir le positionnement
de l'entreprise vers le développement durable, à la fois développement durable humain et environnemental, puisqu'ils agissent dans toute une série de pays émergents. Et donc, des solutions énergiques, écologiques sont des solutions écologiques, pardon, sont très fortement recommandées dans le projet. Donc ceci, excusez-moi, ceci est donc l'histoire de la slide qui représente cette histoire. Et donc, on voit l'ensemble des participants. Il faut peut-être ajouter pour le détail du projet que le délai de 10 mois pour la construction ou de 10 mois, de 11 mois pour la construction du bâtiment est un délai qui est extrêmement court et qui était particulièrement ardent parce que, en réalité, l'installation de la société nécessitait de bouger l'ensemble des stocks à une saison particulière entre les salons et que donc rater l'échéance de quelques semaines impliquait de devoir postposer le projet pratiquement d'une seule année. Alors le contexte des zonings des parcs d'activités économiques en Wallonie est un contexte qui vaut la peine d'être mentionné. En réalité, le parc sur lequel est implanté le projet est un des 206 parcs wallons. Ces parcs représentent un enjeu important en termes de développement économique et en termes d'attractivité pour les entreprises et également en termes d'emploi qui y est lié. Néanmoins, aujourd'hui, la planification qui est réalisée à l'intérieur de ces zonings est une planification qui est absolument réduite à son strict minimum. Et dans lequel, finalement, la réponse à une demande est simplement répondue de manière non planifiée et de manière non structurée. En réalité, la raison pour laquelle il y a cette désorganisation n'est pas en réalité une surenchère réglementaire, comme ça pourrait être le cas parfois, par exemple dans les lotissements qui se trouvent autour de la ville, mais plutôt par un déficit réglementaire, et je vais développer cela quand j'aurai terminé le projet, dans les leçons que nous avons apprises par rapport à cette expérience. Également, il faut se rendre compte que dans ce genre de zoning, il y a une présence très importante de sociétés de construction qui produisent des hangars très rapidement avec des services d'architecture intégrés à des coûts qui sont extrêmement compétitifs et que donc il y a véritablement une grande difficulté à imposer une autre vision qui a été celle de notre client, qui nous connaissait à travers un projet que nous avions réalisé pour la Ditren Galerie et qui nous a offert la possibilité d'une collaboration dont je lui suis particulièrement gré. Alors, je vous parlais de la qualité esthétique environnante. Nous avons pris le parti par rapport à ce cadre d'oser une signature architecturale et d'essayer de trouver quelque part une esthétique industrielle que je vais essayer de vous décrire. Il est important de comprendre que donc dans le bâtiment, il s'agit en grande partie d'un hangar logistique dans lequel sont accueillies les pièces qui proviennent du monde entier. Et qui sont redistribués par la suite vers les différents salons, vers les différents clients et vers les différents centres de distribution. Le projet comprend également une partie qui est la partie centrale du headquarter, une partie de bureau et une partie d'accueil et de showroom. De façon générale, souvent, l'activité productive des industries est séparée est séparé et est traité comme un parent pauvre de l'architecture,
Ici, étant donné que cette activité d'import-export était véritablement le cœur même du projet, nous avons opté pour le fait de l'intégrer dans l'ensemble de l'architecture, de la même façon, avec le même degré d'attention, le même degré de qualité qui s'exprime et que vous voyez ici dans les façades avant. Vous réalisez également que le projet a une architecture qui est un petit peu différente de la boîte que nous avons vue précédemment, un ensemble de plis, d'angles vifs, de décollement, qui sont censés exprimer le dynamisme de la société, mais également une grande partie qui est une boîte, un socle noir, relativement statique, et qui, lui, exprime la solidité de l'entreprise et également son intention de s'installer de façon pérenne dans cette zone d'activité économique. En termes de conception, d'architecture, de matériaux, en réalité, on se rend compte que souvent, l'activité productive, l'activité économique est une activité qui est isolée de sa qualité humaine, du plaisir que l'on peut avoir à travailler. Et nous avons, pour ce faire, opté pour une série de matériaux qui, d'une part, par l'usage du bois, permet d'augmenter la qualité de l'environnement, la chaleur de l'ensemble du bâtiment, mais également, nous avons utilisé des matériaux qui sont des matériaux comme le verre et l'acier, qui rappellent l'âge d'or de l'époque industrielle, qui a été brillante dans nos régions et qui pourrait un jour le redevenir. Vous voyez ici quelques exemples de ces utilisations de bois le long des bureaux, dans des patios intérieurs et également des endroits comme les parkings où vous avez ici la rigueur de l'acier et du béton. Nous avons bien entendu aussi dû trouver un équilibre qui était un équilibre par rapport à la compétition ou la compétitivité dans laquelle on devait placer le projet. Et dans cet équilibre, nous avons trouvé un accord entre une utilisation de matériaux bruts, parfois qui sont laissés avec des finitions qui sont brutes, et en même temps des espaces qui sont beaucoup plus léchés en fonction des besoins que le projet rencontrait. Alors ici, vous avez quelques diagrammes qui montrent l'ensemble des fonctions que nous avons dû intégrer dans le projet. Vous avez les zones d'accueil, donc les clients qui viennent voir les nouvelles collections et qui viennent faire leurs commandes. Un showroom, qui est un showroom qui est renouvelé de manière constante au fur et à mesure des collections et qui est véritablement le centre de vente du projet. Des bureaux qui servent à la logistique avec l'ensemble de leurs fonctions attenantes. Certains éléments qui sont des éléments d'échantillonnage ou de zones de production entre les salons. Ensuite, l'ensemble du stock, qui a la partie la plus importante du projet, à peu près 7000 m² sur les 13000, et puis des locaux techniques. Les slides ici vous montrent un petit peu la manière dont nous travaillons aussi sur la répartition des missions, car au-delà de la distribution de l'organigramme que je ne vais pas véritablement vous détailler, mais que je détaillerai sur des slides de plans, nous avons essayé de rencontrer la demande du client qui, en termes de productivité de son staff, voulait avoir toute une série d'éléments, de liens visuels entre les différentes personnes qui travaillent et les différentes zones de travail du projet. Vous voyez ici, de manière globale, puisqu'on va rentrer après dans le projet par une série d'illustrations, vous voyez l'ampleur de la zone de stock, la zone de showroom, les bureaux, l'accueil et les zones qui sont les zones d'hébergement pour
les ouvriers, les zones fonctionnelles. L'arrondi du parc se trouve ici, et donc on a d'une part un accès qui est l'accès client, et d'autre part un accès logistique qui se trouve de l'autre côté. Alors, l'accueil est abrité à l'endroit de la cassure que l'on voit dans la façade principale. Cette cassure arrive à la fin du stock, elle s'ouvre vers le parc paysager, vous pouvez le voir ici. Également, elle s'élève pour laisser la place à des parkings qu'on verra tout à l'heure et qui se trouvent en dessous. Et elle est particulièrement enphasée par rapport aux parements que nous avons utilisés, des parements en bois. Je vous parlais tout à l'heure de l'alternance que nous avions entre des matériaux qui sont des matériaux nobles et des matériaux utilisés de manière plus brute. Ici, vous voyez l'escalier monumental qui permet de relier l'entrée du bâtiment au niveau des bureaux qui se trouvent un demi-niveau plus haut, avec la correspondance entre des bois qui sont complètement assemblés et un design que nous avons réalisé et l'ensemble des sols qui sont traités en béton brut. En termes de bureaux, nous avions un brief de la part du client qui était d'essayer de continuer à travailler dans des unités classiques, qui étaient des unités donc séparées, cloisonnées, mais en même temps avec une dynamique qu'il voulait introduire dans la société. Et donc, nous avons opté pour cette solution qui se justifie également par la forme du bâtiment que vous allez voir tout à l'heure, la forme extérieure et les inclinaisons des façades principales, mais donc par des bureaux disposés sous une forme de peigne qui sont cloisonnés, mais qui ont des liens visuels entre eux. Vous voyez ici les transferts d'un étage à l'autre avec différentes alternatives. Vous voyez des couloirs qui s'élargissent pour avoir les zones de réunion ou les zones de repos. Et vous voyez ici une autre vue de l'ensemble des bureaux. Les bureaux donc se déclinent sur deux étages. Ils ont une vue qui est optimisée sur les alentours. Ils sont extrêmement lumineux et nous parlerons de ces aspects-là quand j'aborderai les techniques du bâtiment. Le showroom du bâtiment est donc situé juste derrière l'accueil. Un client qui rentre ici est accueilli donc ici. Et s'il ne se rend pas directement dans les bureaux de direction qui se trouvent en haut, a accès dans l'ensemble du showroom. Le showroom est en fait une black box relativement flexible qui permet à la société de constamment renouveler les mises en place qu'il propose en fonction des salons et en fonction des différentes collections. Il va de soi que dans ces endroits, mais l'architecture s'efface pour laisser la place à la décoration et aux aménagements qui sont proposés par la société. L'avant-dernière partie que je vais détailler est la partie des stocks. Donc, vous avez une zone de production, de stock qui est une zone qui est relativement importante, à peu près 6000 m2. Qui se termine par une zone de production dans laquelle on reçoit l'ensemble des marchandises et où l'on prépare les différents envois de manière très rapide. L'entrepôt a été travaillé selon un principe d'agencement qui laisse la flexibilité à l'expansion de l'industrie. Le picking qui a été choisi est un picking qui n'est pas automatique et donc qui laisse cette flexibilité. L'entrepôt est un entrepôt qui est baigné de lumière par des systèmes que vous allez voir tout à l'heure, qui sont des systèmes de lanterneaux qui captent la lumière de manière spécifique avec des miroirs.
Et vous voyez l'ensemble des finitions avec des murs blancs qui également augmentent la lumière à l'intérieur de l'entrepôt et des finitions en béton brut également au niveau du sol. Alors peut-être le dernier point qui caractérise, qui caractérise l'architecture est la manière dont nous avons essayé, dans la mesure de la réglementation sur laquelle nous avions une possibilité de réaction, c'est l'aménagement que nous avons essayé de faire autour de ce bâtiment, dans lequel nous avons essayé de maximaliser les surfaces de pelouse, contrairement à l'ensemble des revêtements minéraux qui, en général, sont dans ces zonings. Nous avons également, par exemple, abrité l'ensemble des parkings dans les plis qui se trouvent en dessous du bâtiment, de façon à minimiser de nouveau les zones qui sont les zones d'asphalte et de parking qui jalonnent ce genre d'endroit. Et nous avons essayé d'introduire certains éléments de plis dans le terrain, mais nous n'avions véritablement pas beaucoup de liberté réglementaire pour pouvoir réaliser cela. En termes de technique, je pense qu'il est intéressant, peut-être sans rentrer trop dans le détail, de montrer quelles sont les différentes mesures que nous avons implémentées dans le projet. Ce sont des mesures qui sont, en fin de compte, relativement simples, qui sont des mesures qui se combinent les unes aux autres et qui permettent de réaliser une économie substantielle dans les consommations, mais qui bien sûr doit s'envisager dans le temps du bâtiment, dans le temps du retour sur investissement, mais également dans le temps du réglage que nécessite l'ensemble des mises en place de ces techniques. Alors globalement, en termes d'éclairage, vous avez vu la taille du terrain qui était relativement contraignante par rapport aux 11 000 m² qu'il fallait réaliser. Néanmoins, nous avons trouvé une implantation qui correspondait bien à une série de préceptes que nous voulions respecter en termes de développement durable. Nous avons une façade qui est orientée sud-est et dans lequel nous avons la possibilité d'avoir énormément de lumière, mais dans lequel, et nous avons une série d'avantages en termes de vue, etc., mais dans lequel nous devions également prévoir et minimiser l'impact solaire en été. Donc nous avons pris le parti de travailler sur des façades qui étaient des façades inclinées, qui permettent d'augmenter la réfraction, je ne sais pas si je suis dans le bon sens en fait, voilà, d'augmenter la réfraction des rayons qui percutent ces façades sans nécessairement avoir un usage de système de louvre ou d'avoir un système de rideau. Nous avons également utilisé des verres qui sont des verres très performants et qui minimisent cet impact solaire. Il faut aussi réaliser que quand on construit un projet comme celui-là, on doit voir son développement dans le temps. Et donc, comme vous le voyez sur la maquette, ce système n'est évidemment pas suffisant pour arrêter le rayonnement solaire et donc la rangée d'arbres qui sont des peupliers qui ont été calibrés de manière à créer les ombres nécessaires sur la façade mais doivent évidemment pousser et à ce moment-là on sera dans une situation optimum. En termes d'éclairage, nous avons travaillé partout avec ce système de sun tracker qui sont donc des lanterneaux qui permettent de capter la lumière solaire au fur et à mesure du déplacement du soleil et qui donc baigne l'entrepôt. On voit ici les différentes économies que cela peut représenter. Vous avez eu le temps, je pense, de les lire. En termes de chauffage, nous avons travaillé sur un système de chauffage à très basse température qui est intégré dans le bâtiment par des dalles actives. Et donc, nous travaillons à la fois sur l'enveloppe du bâtiment qui est totalement optimisée avec véritablement un facteur d'isolation ultra performant, mais également sur l'inertie du bâtiment, l'inertie des dalles,
ce qui explique également certaines définitions que nous avons choisies et qui nous permet de trouver des systèmes de réchauffement du bâtiment qui sont un petit peu plus performants que ceux qui sont utilisés d'habitude. Également, nous avons opté pour une solution de refroidissement du bâtiment qui n'utilise pas la climatisation. Et donc, nous travaillons grâce à ces dalles actives par un refroidissement du sol qui est complémenté par un refroidissement de l'air de ventilation normale que nous utilisons. Tout cela pour dire que dans le bâtiment, une série de mesures sont implémentées, ont été appuyées par le client. Cela change le degré de confort d'un bâtiment traditionnel. On n'est pas à une température constante pendant l'ensemble de l'année. Il y a évidemment un écart qui est réalisé entre l'hiver et l'été de quelques degrés, mais qui permet néanmoins de réaliser une économie importante en termes d'émissions de CO2 par rapport à une solution normale et qui a un retour sur investissement à peu près calculé sur 7 ans, mais qui doit bien sûr être mis en perspective de la mise en route du bâtiment, parce que comme je vous le disais, ce que nous avons expérimenté, c'est que l'ensemble de ces différents systèmes que l'on a mis en place doivent se mettre en route de manière synchronisée et que ça prend à peu près une année pour pouvoir faire ce réglage. Alors, si l'on doit retirer l'enseignement principal de ce projet, c'est que nous avons eu la chance d'avoir un client formidable qui était à l'écoute d'une série des préoccupations que nous avons mises sur la table. Ces préoccupations venaient d'un ensemble d'études et d'appels d'offres que nous avions regardés précédemment et qui nous avaient montré qu'en Flandre, en réalité, il y a une manière d'aborder ce genre de zoning qui est une manière beaucoup plus globale, qui travaille en amont, sur des études en amont de l'installation des zonings et qui réalise toute une série de cahiers des charges qui vont permettre par la suite de pouvoir mutualiser des services, de pouvoir gérer la qualité globale et les coûts de la qualité des zonings qui sont implémentés, de les répercuter ensuite sur le foncier qui va être distribué aux différentes personnes et de pouvoir, de manière générale, entre autres à travers également des références, des manuels, des brochures, véritablement mettre en place des zones qui sont très performantes et qui sont évidemment intéressantes au niveau de l'environnement, mais également économiquement, à notre sens. Voilà. Donc, cette deuxième partie de l'exposé expliquait le projet. Et tout à l'heure, quand j'aurai terminé, je répondrai avec plaisir aux éventuelles questions que vous pourriez avoir. Je vais profiter du podium qui m'est donné pour embrayer sur quelques thématiques, des thématiques qui sont abordées par l'agence de manière actuellement abordées par l'agence ou qui ont été abordées dans les quelques années qui viennent de se passer et que je voudrais partager avec vous parce qu'elles nous semblent importantes et qu'elles illustrent également le fonctionnement en plateforme dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'interaction entre les différentes compétences qui sont réunies dans le bureau. Chacune de ces unités donc, possède des boîtes à outils pour les différents projets, produits sur lesquels on travaille. Et nous avons constaté que quand l'on fait travailler ces différentes boîtes à outils ensemble, eh bien, en réalité, ça crée vraiment une émulation de nouvelles idées et de concepts transdisciplinaires qui peuvent être intéressants. Les trois thématiques que je vais développer sont, d'une part, la thématique du croisement des échelles. La deuxième thématique est celle de l'environnement, envisagée sous l'angle de la transversalité, ou on peut dire la transversalité de la problématique environnementale.
Et la troisième partie qui est liée à l'interprétation et à l'identité du projet architectural. Les croisements d'échelles. Comme je l'expliquais tout à l'heure, nous avons, depuis le départ de l'agence, eu cette préoccupation de renforcer les liens entre l'architecture et la ville. Nous avons eu l'occasion de travailler sur des projets de plus en plus grands, mais nous n'avons pas oublié notre intérêt et notre capacité à réaliser des projets également d'architecture, voire des projets d'architecture d'intérieur. Et dans ces différents projets, nous avons réalisé l'intérêt qu'il y avait de croiser ces échelles de travail. Une des choses que nous avons appris dans un grand projet d'urbanisme, avec une taille conséquente, il est indispensable d'intégrer la dimension territoriale à l'intérieur du projet pour en assurer la qualité et l'intégration dans un sens large, mais il est également utile de travailler directement et en amont du projet sur la matérialisation du programme et sur la qualité du design qui va être proposé. À Bruxelles, nous travaillons depuis 5 ans dans des contrats de quartier dans lequel ce qui nous intéresse particulièrement c'est l'équilibre entre la donnée de planification et la donnée de matérialisation des projets qui sont planifiés. C'est un outil de micro-urbanisme qui a cette particularité. C'est un outil qui a des limites parce qu'il a un périmètre qui est relativement réduit, 50 hectares. Il y a un budget qui est également relativement réduit, aux alentours de 15 à 20 millions. Et il y a un timing qui est relativement réduit. Mais en même temps, ce sont ses forces, parce que c'est un projet qui est à la fois compact, qui est concret et qui est appropriable par les gens. Et nous pensons que l'intérêt de travailler sur ce genre de projet est de pouvoir alterner, pousser les équipes à alterner ces échelles de conception et donc de mener ces projets, d'augmenter notre capacité créative par ces croisements. En termes d'espace public, nous avons été particulièrement intéressés par l'utilisation dans le temps de l'espace public qui est disponible dans la ville. On pense que c'est une notion qui est très importante. Nous l'appelons le time shared space, et c'est une notion qui peut être décrite de la manière suivante, c'est le partage d'un espace public dans le temps, et que nous voulons, au niveau de cette thématique des échelles, mettre en perspective par rapport aux facteurs externes qui influencent l'espace public. Donc je vais revenir bien sûr là-dessus par des exemples plus concrets. Finalement, lorsque l'on travaille sur des projets de mobilité, nous avons identifié le fait qu'il était très important, bien sûr, d'intégrer la mobilité de manière globale, locale, communale, régionale et plus, mais également, lorsque nous travaillons sur des projets intermodaux, sur l'importance de la qualité architecturale pour prendre conscience du contexte général de la mobilité, des enjeux et des flux qui s'y croisent. Alors, en rentrant dans le détail, un petit peu plus dans le détail de ces projets pour illustrer les propos que je viens de vous faire, ici, vous voyez un projet qui est un projet que nous avons suivi en Espagne pendant pratiquement 5 ans, qui est un projet qui, aujourd'hui, est en stand-by pour l'instant, suite à la situation économique espagnole, mais dans lequel nous avons intégré l'ensemble des contraintes territoriales mises en place par le gouvernement catalan, qui est extrêmement actif et qui a une régulation de l'ensemble des paramètres du développement urbanistique qui est très détaillée et qu'il faut absolument prendre en considération quand on fait des projets. En tant que project manager, nous avons travaillé sur le projet, sur son développement architectural, également sur l'ensemble des évaluations financières de développement du projet.
Nous avons essayé de trouver les compatibilités entre les différentes fonctions, les visions par rapport aux liens de mobilité qui pouvaient exister au niveau régional. Et ce que nous avons constaté au cours de cet exercice, c'est que en réalité, il fallait user, en parallèle de ces discussions qui étaient nécessaires pour l'obtention des autorisations, il fallait user de la qualité, ou en tout cas de la mise en avant d'un design qui permettait aux gens, également les financiers que nous sollicitions pour le projet, de comprendre quels étaient les enjeux à la fois locaux, à la fois fonctionnels et à la fois territoriaux des développements que nous proposions. Évidemment, quand on rentre dans ce genre de démarche, on rentre dans une démarche particulièrement évolutive dans laquelle on doit être prêt, suite à la concertation, à changer le projet au fur et à mesure des modifications. Par exemple, un moratoire commercial qui peut frapper une surface commerciale, les surfaces commerciales pendant 5 ans en Catalogne, vous oblige à amputer votre projet de 40 000 m² en quelques instants. C'est un processus qui est un processus itératif. Vous voyez ici quelques illustrations du degré de design dans lequel nous sommes allés pour pouvoir convaincre les différents intervenants de l'intérêt de développer un projet sur un site qui était relativement important aux yeux des autorités locales. Vous voyez ici un centre commercial le long d'un lac, vous voyez ici un centre de congrès de partage de connaissances, et ici vous voyez un ensemble de bureaux et de centres de recherche et développement, le tout étant regroupé sous l'intitulé de parc thématique sur la mobilité, puisque c'était le concept sur lequel nous avons décidé c'est le nom que nous avons donné au concept que nous avons proposé. En termes d'échelle, je vous ai parlé tout à l'heure des contrats de quartier. Les contrats de quartier, c'est quelque chose que certains d'entre vous connaissent, certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas. C'est un outil de micro-urbanisme. Et lorsque l'on voit, je vous disais tout à l'heure, que l'échelle est relativement réduite, on travaille sur des zones d'à peu près 50 hectares. Mais quand on voit la combinaison de toutes les zones qui ont été couvertes dans les 10 dernières années par ces contrats de quartier, on se rend compte de l'ampleur que ça peut avoir en termes de rénovation urbaine. Ce qui est intéressant selon nous, c'est donc le croisement qui existe entre, d'une part, la planification, qui est la planification d'un programme que l'on doit établir pour rénover le contexte urbain et qui doit être implémenté dans les 4 ans, qui est un programme qui induit une série de stratégies générales en termes de logement, en termes d'infrastructures, en termes de mobilité, en termes d'activités socio-économiques. La matérialisation de l'étude qui en réalité est constituée d'un ensemble d'études de faisabilité ponctuelles pour toutes les opérations que nous allons implanter sur ces projets. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, l'outil a ses limites en termes de périmètre, par exemple, mais c'est des limites qu'évidemment on a cœur à transgresser. Et on pense que ça fait également évoluer les études de pouvoir, de manière régulière, mettre en perspective cet outil par rapport à d'autres outils de planification. Ici, on voit des exemples qui sont des exemples où on a pris en considération toutes les fonctions, enfin toute une série de fonctions qui se trouvaient en dehors des périmètres et qui ont fortement influencé notre démarche. De manière plus anecdotique, mais également illustratoire, sur un des projets que nous avons fait dans la commune de Molenbeek, le long du canal, près de la rue Evart, nous avons été confrontés à la problématique de l'import-export de voitures d'occasion, qui a un impact local très très important en termes d'utilisation de l'espace public, de garage, de rénovation urbaine, de marchands de sommeil, etc. Et nous avons également été amenés à approfondir ce genre de thématique. Donc c'est là qu'on voit que le croisement des échelles devient intéressant.
Également, lorsque l'on travaille dans ce genre de projet, il y a une série de thématiques que l'on peut développer plus avant. Ici, on voit la thématique de la gestion des espaces verts, du maillage vert en général, ou du lien de mobilité qui peut exister entre eux, et l'ensemble des mécanismes de participation qui sont induits dans ces contrats de quartier nous permettent parfois d'identifier des choses qui sont assez intéressantes. Ici, vous voyez les liens entre ces parcours verts et les parcours scolaires qui sont réalisés entre les écoles et les jardins d'enfants, ce qui nous a permis d'affecter différents types d'espaces verts en fonction de différents types de besoins. Par exemple, des enfants de 12 ans qui sont dans des espaces verts qui leur sont dédiés, mais qui sont sous un certain contrôle d'un adulte afin de ne pas être lâchés dans la ville sans leurs parents. Le troisième thème dont j'avais parlé au niveau des échelles était l'occupation de l'espace public dans le temps. Alors, ici, vous voyez un graphe qui peut paraître un peu austère, même s'il est joli, et qui montre en réalité sur un espace données pendant une durée de 24 heures, les différentes utilisations qui sont faites de cet espace en termes de transport en commun, de voitures, de commerce, par exemple de l'école et de loisirs. Ce genre d'utilisation, en réalité, est une utilisation qu'il faut envisager lorsque l'on est confronté à des cas qui sont des cas particuliers de développement d'espace public et de développement urbain. La place sur laquelle on travaille, qui est ici la place Choisir, est une place qui, parmi l'ensemble des places bruxelloises, se situe véritablement sur un des parcours d'entrée de la ville et qui donc est complètement saturée 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. C'est une place qui, par ailleurs, a différents type d'utilisation. C'est un espace qu'on peut décrire comme étant un espace infrastructurel, mais c'est également un espace événementiel parce qu'il y a des marchés, parce qu'il y a des activités qui ont lieu de manière récurrente sur la place. Le propos que nous essayons de défendre et le parti que nous avons pris avec notre partenaire Art Engineering sur ce projet, et c'est un propos que nous défendons de façon régulière, était d'essayer de revenir à une utilisation de la rue et de l'espace public, qui est une utilisation qui permet la flexibilité des usages et qui permet de gérer de manière équilibrée l'utilisation de ces espaces entre tous les intervenants, en ce compris la voiture. On voit ici dedans que, en réalité, ce discours assez général doit se matérialiser par une série d'artifices qui permet de délimiter l'espace ou d'en changer éventuellement l'affectation au fur et à mesure des différents types d'occupation. Ceci n'est que le cas de la kermesse ou semestrielle qui se met sur la place, mais il y a toute une série d'autres exemples qui permettent de montrer comment est-ce qu'on arrive à détourner les flux à gérer l'occupation de la place dans le temps. Un marché peut devenir un trottoir, peut devenir une terrasse, et sinon, ça peut devenir une zone de livraison avant l'ouverture des magasins. La quatrième thématique dont on a parlé au niveau de l'échelle, c'est la thématique qui est liée à la mobilité. Donc, nous avons travaillé sur la halte RER du Viviers-Doix, qui est donc sur la ligne 26, une des haltes de ce fameux RER que nous attendons tous. Une des choses qui nous a impacté lorsque nous avons travaillé sur le projet était le fait qu'évidemment, il y a une implication régionale, une implication communale, mais qu'en réalité, il n'y a qu'à l'échelle locale que nous pouvons véritablement avoir une intervention et que nous pouvons gérer une série d'éléments, de paramètres liés à la mobilité. Par contre, nous avons également réalisé qu'il était très important de travailler sur une architecture qui était suffisamment signalétique pour que le lieu intermodal devienne un lieu qui est reconnaissable et qui fait prendre conscience aux gens de l'enjeu de la mobilité en général. Ici, vous voyez la carte RER, mais vous voyez surtout la carte de la congestion en 2015 de l'entrée de la ville. Ce sont les projections futures de nos embouteillages. Et vous voyez également l'impact par rapport à la zone du Pentagone, de la zone RER quand elle sera développée.
En termes d'aménagement, ici, donc je vous parlais des différentes échelles. Au Vivier d'Oie, nous avons essayé d'intégrer une série d'éléments qui faisaient partie de ce lieu intermodal. Les lignes de bus, les futures lignes de tram, les pistes cyclables, les transports piétons, les nécessités de parking. Et ce projet, pardon, ce projet a donc été réalisé il y a 2 ans. Vous le voyez ici, peut-être une petite chose que nous pourrions préciser dans ce projet, c'est que c'est un projet que nous avons obtenu dans le cadre d'une mission attribuée par un bureau d'ingénieurs qui avait un contrat cadre. Pour des raisons X, nous n'avons pas pu faire le suivi d'exécution du projet et c'est véritablement un apprentissage que nous avons fait sur la nécessité de pouvoir, comme je l'expliquais au départ, dans notre cellule de conception et construction, suivre les projets jusqu'au bout pour pouvoir être certain que tous les détails de réalisation soient bien en ligne avec ce que nous pensons. La deuxième thématique que je vais développer est la thématique de la transversalité de l'approche environnementale. On parle d'environnement tout le temps, ça affecte depuis quelques années différents pans de notre industrie, de plus en plus, et bien sûr la ville est aux premières loges de cette préoccupation, puisqu'elle est l'une des sources de pollution les plus importantes, mais également une des sources de levier d'action les plus importantes. Donc, je voudrais mettre en avant quatre projets en réalité, quatre thématiques sur lesquelles nous avons travaillé. Vous amener à notre idée qui est que l'environnement doit s'envisager de manière transversale. La première enseignement et la première conviction que nous sommes forgés est de dire que si l'on veut travailler de manière conséquente au niveau environnemental, lorsque l'on pense à un projet, il faut y penser de manière systémique. Parce que le fait de pouvoir reproduire le concept qui est mis en avant est le seul moyen d'atteindre les leviers et la rapidité d'action pour ces leviers qu'on est en droit d'attendre. La deuxième chose est une réflexion sur le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau en ville est quelque chose qui est bien évidemment lié au manque d'espace vert, à la densité urbaine. Paradoxalement à ce que je viens de dire avant, mais finalement les deux sont peut-être complémentaires, des opérations qui sont des opérations ponctuelles peuvent tout à fait devenir pertinentes et régler toute une série de problèmes en permettant de gérer les débits de l'eau sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Finalement, les deux dernières thématiques sur lesquelles je voudrais m'arrêter 2 minutes, c'est la problématique du logement collectif et de l'impact du logement collectif passif et de la responsabilité des auteurs de projets par rapport à ce type de mission qui nous semble être relativement importante en termes non seulement de responsabilisation par rapport à la gestion que va entraîner ce logement passif pour les maîtres d'ouvrage, mais également en termes de production d'architecture proprement dit, si l'on pense que l'on veut encourager le mouvement vers la création de ces logements, la construction de ces logements passifs. Le dernier thème est le thème des écoles passives, dans lequel également nous avons véritablement un grand intérêt. Un intérêt parce que l'on pense que agir sur les écoles permet de mettre en avant une pédagogie de l'environnement qui est probablement le levier dont tout le monde aura besoin demain pour que les choses et les changements de comportement se fassent de manière réelle. Donc depuis en fait quelques années, on s'intéresse à ces différentes problématiques. Mais plus on s'y intéresse, plus on se rend compte qu'en réalité, cette problématique ne peut être envisagée que de manière transversale. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de paramètres
Il y a tellement de connaissances qui est nécessaire, il y a tellement de fédérations d'acteurs qui sont nécessaires que l'on peut pas, on ne peut pas considérer, vous le voyez ici illustré par, par ce slide, on ne peut pas considérer que la seule action sur la conception architecturale va permettre de résoudre les problèmes. Il faut absolument, selon nous, établir des structures de collaboration entre toute une série d'intervenants, à la fois en consultance, mais à la fois dans les différents milieux, entre autres le milieu économique, pour pouvoir avoir le levier nécessaire. Alors, dans les projets que je vais vous détailler rapidement, je vais vous parler du projet, un projet de logement, enfin de lotissement que nous, sur lequel nous avons travaillé à Santa Cruz de Tenerife. Dans ce projet, l'ensemble de l'île est en réalité loti le long de ses falaises avec accès à la mer, avec une autoroute ici sur le, qui est périphérique. Dans ce projet, nous avons essayé d'aborder cette notion de système dont je vous parlais tout à l'heure. Agir sur un seul lotissement ne permet pas de résoudre le problème. Nous avons pris l'option dans ce concours de directement travailler sur un concept qui est reproductible et qui peut être implémenté à l'échelle de l'île. Il s'agit de travailler sur une rue verticale, c'est-à-dire de travailler sur la connexion qui existe entre les autoroutes périphériques, enfin l'autoroute qui fait le tour de l'île et la côte, de convertir ces lotissements qui sont des petits noyaux de logements par un lotissement qui aurait la forme donc d'une rue verticale dans lequel l'ensemble des techniques qui sont les techniques qui sont nécessaires au déploiement, le soutènement des rues, les impétrants, mais également des locaux communautaires qui permettent d'avoir du télétravail sous forme de locaux troglodytes. Je vous rappelle qu'on est dans une falaise, donc on n'était pas tout à fait en train de rêver, permettent de pouvoir déployer un système que vous voyez ici illustré et qui est un système donc, qui contient de manière verticale l'ensemble de ces murs. Et qui permet de travailler par la suite avec des logements bioclimatiques. Ceux-là sont les nôtres, mais pourraient être ceux d'un autre architecte qui viendrait s'insérer de manière plug and play dans les projets. Je vous parlais de la problématique de l'eau et des cycles de l'eau. On réalise quand on travaille à l'échelle d'un quartier qu'en réalité, on peut parler de la problématique de l'eau en termes de, des imperméabilisations de, d'intérieur d'îlots, en termes de gestion de l'espace public. Mais d'une certaine manière, pour avoir véritablement un levier, il faut pouvoir croiser toutes ces problématiques en même temps et il faut pouvoir fédérer les différents acteurs, à la fois en termes d'utilisation des espaces en intérieur d'îlots, mais aussi les acteurs publics, aussi les acteurs sociaux qui vont devoir s'occuper de la gestion de ces intérieurs d'îlots. Et donc, on se rend compte que la seule intention d'agir ponctuellement sur l'eau à un endroit n'est pas suffisante. On a évidemment la possibilité, ici vous voyez trois exemples de projets qui ont été délivrés par l'agence. Ici c'est un projet de logement qui se trouve à Forêt, sur lequel nous avons travaillé sur un désenclavement d'intérieur d'îlot à la place des ateliers qui étaient existants et sous une forme de cloître. Ici c'est un projet qui est un projet de logement qui se trouve, qui se trouve à Molenbeek. Et vous avez en bas d'autres systèmes de désenclavement que nous avons proposés dans des programme complexe de contrat de quartier. Sur ce graphe-ci, qui est en fait situé au milieu de ce contrat de quartier, on réalise mieux l'ampleur de la transversalité nécessaire pour pouvoir implémenter ce, ce type de projet. Il s'agit ici de travailler sur la réhabilitation de l'ensemble de cet îlot moderniste, les tours, mais également l'ensemble des abords, les parkings, les espaces publics qui sont avoisinants, et que quand on réalise le schéma qui va être en fait à l'origine du cahier des charges, des études qui vont être menées sur cette zone, on se rend compte que tous les intervenants
qui doivent être réunis dans le projet sont vraiment très nombreux, à la fois en termes de rénovation des bâtiments, d'affectation des bâtiments, de gestion énergétique, de gestion du débit des eaux, et que, d'une certaine manière, c'est vraiment une fédération d'acteurs qui permettent de porter des projets comme celui-ci en avant. En termes de développement passif, de logement passif, je vous disais tout à l'heure que les auteurs de projets, également, au-delà de cette transversalité que je viens d'évoquer, ont une responsabilité. Ils ont une responsabilité, selon nous, d'implémenter des solutions qui sont des solutions techniques qui intègrent toutes les données du développement passif, mais qui en même temps tiennent compte du contexte local, qui intègrent également les données de gestion, qui sont les données de gestion qui vont être inhérentes à la vie du projet. Donc ici, c'est un projet de logement qui est un projet qui est réalisé pour la SDRB avec un promoteur privé et qui sera un des projets de logement passif collectif qui va sortir de terre. Il y a d'autres exemples qui sont pour l'instant en réalisation à Bruxelles. Ici, vous voyez que nous avons vraiment mis l'accent sur le fait de se dire, au-delà de ces contraintes techniques dont on a parlé tout à l'heure, il y a une nécessité pour les architectes de produire une architecture qui est une architecture de qualité, c'est subjectif, mais qui est une architecture qui ne répond pas seulement à la donnée technique et qui peut s'intégrer dans son environnement. Nous avons travaillé, en l'occurrence ici, principalement sur cette façade avant, en travaillant sur un jeu de bow window qui permettait de reprendre les thématiques de rythme vertical et de typologie bruxelloise qui est particulièrement présente dans cette partie de Saint-Gilles et de travailler donc sur un système alternatif de bow window permettant par ailleurs d'avoir la meilleure exposition en termes de lumière, en termes d'exposition solaire et de pouvoir également respecter dans un contexte assez difficile de la guerre du Midi que vous devez connaître, de pouvoir gérer la transition qui existe entre les gigantesques bâtiments R+12 qui se trouvent le long de la rue Foncenis et les plus petits bâtiments qui se trouvent donc derrière et sur lesquels les habitants auront vu par rapport à travers ces beaux windows. En termes d'école passive, je vous le disais tout à l'heure, l'importance pour nous est une importance qui est une importance pédagogique. C'est véritablement un plaisir de travailler sur les lieux qui sont occupés par nos enfants, mais c'est également un levier qui est un levier très important pour le futur des changements de comportement. Néanmoins, de nouveau, la responsabilité de l'architecte est véritablement très importante parce que il doit non seulement faire face à ces problèmes de gestion dont on parlait tout à l'heure, imaginer ce qui peut se passer si jamais, pour des raisons de gestion, les préceptes d'utilisation d'une école passive ne sont pas suivis, mais il doit également se préoccuper du programme pédagogique des écoles et de son adaptation à la contrainte passive. Vous voyez ici, dans ce projet que nous venons de remporter, qui est un projet pour une école passive de 400 enfants pour la communauté flamande, nous avons opté pour un travail qui est un travail qui intègre la donnée environnementale sous son angle écologique, mais également la question de la durabilité sociale. Nous avons opté pour le fait de conserver une série de potagers qui étaient existants sur le site des chemins qui étaient utilisés par les habitants en raccourci dans leur quartier et de proposer une implantation qui est une implantation avec une empreinte relativement restreinte qui correspond à la compacité nécessaire pour un projet passif et qui accentue l'utilisation, l'appropriation des espaces extérieurs, par exemple par rapport à des jardins pédagogiques qui vont être utilisés ou par rapport à l'encouragement d'utiliser les transports en commun ou de venir à l'école à pied ou en vélo. Vous voyez ici quelques matérialisations du design également, qui est un design qui est
relativement simple pour pouvoir rencontrer à nouveau certains objectifs de la construction, entre autres la simplicité structurelle qui permet l'adaptabilité dans le temps du bâtiment. La dernière thématique sur laquelle je vais passer un peu plus rapidement, parce que je vois que j'arrive à la fin de mon exposé, c'est la thématique de l'interprétation et de l'identité. Par rapport à cette thématique générale, nous avons été confrontés récemment à une série de projets dans lesquels, en réalité, le contexte amène parfois l'architecte à prendre une position qui est une position face à la situation externe et qui est indépendante de la conception proprement dite. Nous l'avons fait dans le cadre de situations dans lesquelles nous sommes retrouvés confrontés à une norme que nous n'estimions pas pertinente. Nous avons été confrontés à cette situation par rapport à l'implémentation ou l'étude que nous avons faite pour un bâtiment dont l'identité culturelle devait réellement venir prendre place dans un quartier avec un certain enjeu. Et nous avons également été confrontés à cette situation par rapport à une demande particulière qui a été réalisée pour un lieu de culte qui devait être remplacé dans le cadre d'une modification urbaine. Et je vais rentrer directement dans les projets pour vous expliquer le détail. Alors, le premier projet, c'est un projet d'une maison individuelle, passive, qui est une maison qui s'implante dans un village protégé du Brabant wallon. Alors, dans ce genre de village, on ne peut construire que des fermettes en briques, et autant pour les petits cochons qui voulaient se faire une maison en paille ou en bois, c'est assez difficile. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est qu'il y avait un quatrième petit cochon, qu'il est parti faire beaucoup de voyages et qu'il est revenu avec l'idée de construire une maison iceberg passive dans laquelle la plupart du projet était enterré. Nous avons adhéré à son concept et nous l'avons défendu vaillamment pendant 18 mois. Le projet va bientôt être construit. Et donc, il consiste en l'application strictement réglementaire de la norme applicable, l'entrée de la maison, et ensuite la maison elle-même, qui a été développée en collaboration avec l'architecte paysager Eric Dunt, dans lequel la plupart des fonctions de vie se développent et se déploient vers la nature via un réseau de murs et de pièces enterrées qui permettent d'abriter toutes les fonctions de la maison. Le second projet qui illustrait cette problématique de positionnement de l'architecte est un projet qui nous a été proposé par un client venant des Émirats. Nous avons travaillé en collaboration avec le groupe B6 sur ce projet. Il s'agissait d'intégrer un centre culturel de l'islam dans une partie industrielle de la commune d'Anderlecht. Alors, par rapport à l'implémentation d'un projet comme celui-là, nous pensons que les architectes ont peut-être un rôle à jouer parce qu'ils disposent d'une série d'outils qui sont des outils de lecture et des outils de conception qui peuvent aider à la réalisation, à la compréhension, à la réalisation, à la transmission par l'architecture d'une ouverture et qui permet de réaliser cette intégration sociale. En l'occurrence, nous avons sur ce projet travaillé principalement sur la donnée de l'interprétation des codes de l'architecture islamique, et je vais développer dans une seconde, mais nous avons surtout insisté, et c'était tout à fait dans la vision de notre maître d'ouvrage, sur la nécessité d'avoir une mixité de fonctions qui était très importante et une ouverture vers le quartier qui également était très importante et qui permettait à la fois la compréhension et le meilleur échange dans l'implantation de cette fonction.
Nous avons travaillé en termes d'architecture sur les motifs qui sont récurrents dans l'architecture et dans l'art islamique, desquels nous avons isolé certains composants que nous avons déclinés et combinés de manière classique ou de manière alternative, de façon à construire dans le bâtiment, à la fois en termes de structure, en termes de définition de fonction, en termes de définition de circulation, en termes de ventilation, de façade, toute une série d'éléments que vous voyez décrits ici. Ici, vous voyez les circulations, ici, vous voyez les pièces, vous voyez les pièces plus classiques qui sont destinées à certaines des fonctions qui seront abritées par ce centre. De même, nous avons poussé cette idée plus loin, sur cette idée d'ouverture vers le quartier, plus loin, par rapport à des systèmes de Louvre et des systèmes de transparence, en particulier en utilisant les bibliothèques comme étant le filtre entre la rue et le centre de l'islam, c'est-à-dire culturel, c'est-à-dire d'utiliser finalement la connaissance comme étant un filtre et probablement un facteur d'intégration, probablement même sûrement. Dernier projet sur lequel ce thème de l'interprétation a dû faire l'objet d'une prise de position que nous prenons de manière commune et de nouveau par rapport à cette politique systématique que nous avons de concertation relativement large pour prendre des décisions communes. C'est le cas d'un lieu de culte qui se trouvait Place Meguel à Etterbeek. La symbolique des lieux de culte dans la ville implémente des pages et des pages de réflexion théorique, mais en réalité, quand on a une situation particulière comme celle-ci, c'est-à-dire une église qui doit être démolie dans les années 90, on s'aperçoit que la réappropriation des lieux est en fait assez simple. L'espace est devenu une place légèrement verdurisée. Et lorsque le maître d'ouvrage vient nous trouver pour nous proposer de retravailler sur la création du lieu de culte, eh bien, nous sommes confrontés donc à la nécessité, enfin à la problématique de savoir comment réinterpréter et comment réinstaller cette fonction tout en préservant ce qui était approprié par les habitants. Nous avons, pour ce faire, travaillé sur réellement ce qui était la signalétique du lieu de culte, c'est-à-dire l'ensemble des perspectives et l'ensemble des symboles que nous devrions mettre en avant dans une architecture pour pouvoir créer l'appel et rassembler l'ensemble des gens qui s'y retrouvent. Et cette manière de travailler nous a permis en fait de concentrer le bâtiment sous la forme d'une double spirale, qui est une double spirale qui condense en réalité l'ensemble des fonctions dans un lieu très simple, bercé de lumière par l'ensemble des failles que vous voyez là, et qui, lorsqu'elles se combinent, crée l'appel qui est l'appel qui est nécessaire ou qui est en général associé à la plupart des lieux de culte. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je suis impatient d'entendre et d'écouter, de répondre aux questions que vous auriez sur la présentation que je vous ai faite. Merci.